Bonjour à tous, voici ce que nous vous proposons aujourd'hui dans votre agenda. Nous commençons par un concert de gala à l'occasion des 20 ans de l'ONG pour un sourire d'enfant. Roustem Saitloukov, lauréat de nombreux prix internationaux, sera au piano et sa fille Clara sera au violon. L'occasion de découvrir ou redécouvrir des œuvres de Saint-Saëns, de Prokofiev ou encore de Chopin. Ce concert aura donc lieu le vendredi 12 février à 20h30 à la salle Gaveau, dans le 8e arrondissement de Paris. Pour plus de renseignements, vous pourrez vous rendre sur www.salgaveau.com. C'est une collecte nationale qui est organisée par l'association Salam pour les réfugiés du camp de Grande Cite, près de Dunkerque, dans le nord de la France. Cette opération de solidarité nommée « Les pieds au sec » vise à aider les quelques 2000 réfugiés présents sur place à pouvoir acheter des bottes, du bois de chauffage et des biens de première nécessité pour un camp qui serait dans un état plus déplorable que celui de Calais. Pour plus de renseignements, vous pouvez écrire à l'adresse mail piedausec@gmail.com ou appeler au 07 78 64 33 32. Le 13 et 14 février prochain, le diocèse de Tarbes et de Lourdes donne l'occasion à des couples de se redire « je t'aime ». Dans le cadre de l'année jubilaire de la Miséricorde pour la Saint-Valentin, les couples pourront venir à Lourdes pour mettre leur amour sous le regard de Dieu. Des conférences et des échanges sur la vie conjugale ainsi qu'un dîner en amoureux sont prévus. Ceux qui viennent en famille auront leurs enfants pris en charge par une équipe d'animation. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur www.catholique65.fr. Le diocèse de Bordeaux propose une semaine missionnaire du 7 au 14 février pour la communauté catholique des deux rives du pays foyen. Plusieurs activités sont prévues durant cette semaine avec des rencontres avec tous les groupes paroissiaux de Dordogne et de Gironde, des temps d'écoute et de partage, des crêpes parties, un concert ou encore une marche fraternelle. C'est la communauté Palavra Viva qui organisera cette semaine missionnaire. Pour plus de renseignements, vous pouvez écrire à perigueux@palavraviva.com. Si vous souhaitez nous communiquer des informations, vous pouvez nous écrire à agenda@ktotv.com ou sur l'adresse postale qui s'affiche sur votre écran. Nous nous quittons en musique avec Étincello, Unis à ta joie. Excellente semaine à tous. Source de toute joie, ton pardon vient renouveler.